Scarbec samedi, il ne reste que 5 minutes à jouer et le Kitchiro est mené 2 points dans ce match au sommet. Margot Pierson décide d'enclencher la deuxième pour marquer ce somptueux essai. Le troisième de la rencontre synonyme de victoire. On me laissait un peu de, je sais pas si je peux dire rage, mais voilà, le score était serré, j'avais pas le choix. On voit le bout de la ligne, on voit l'en-but, on se dit là c'est maintenant ou jamais. T'as 5 minutes pour jouer, il te reste plus que 5 minutes. T'y vas quoi. Les 10 premières minutes ont pourtant été compliquées pour le Kitchiro. Après 5 minutes, Sophie Villain est contrainte de sortir sur blessure. Les Bruxelloises subissent la puissance des avants du Coq Mauzan. Joséphine Bakers marque astucieusement les 5 premiers points de cette rencontre. Face au gabarit de l'équipe de Basse-Meuse, les Bruxelloises misent sur le jeu. Après une belle action collective au large, Margot Pierson commence son show. Les Bruxelloises se remettent sur pied dans la foulée, 5 partout. Mieux, elle passe devant après un long temps fort. Grâce à sa course, Laurie Prignon transperce la défense visiteuse pour aller marquer. Audrey Slin transforme l'essai 12-5 à la pause. Après le repos, le Coq Mauzan revient tambour battant. Les Bruxelloises craquent sous les assauts du pack. Le deuxième essai est quasiment la compie conforme du premier. Les 2 points de la transformation de Manon Nérac portent le score à 12-12. 5 minutes plus tard seulement, l'arbitre accorde un essai de pénalité au Coq Mauzan qui reprend la main sur le match 12-19. Moi je trouve que le Coq Mauzan a son style de jeu et le fait très très bien, ils conservent leur ballon. Nous on a un jeu plus aéré, plus sur les largeurs. Mais aujourd'hui, c'était difficile à aller chercher parce que voilà, elle confisquait le ballon, elle nous agressait bien. Donc, les quelques fois où on a vraiment su écarter, ça a payé. Les Bruxelloises vont se relever et retrouver d'allant. Après une longue action, c'est Pierson en bout de course qui aplatit comme une hélière en bout de ligne. À 15 minutes de la fin, le Kitu revient à 2 points. Jusqu'à cette 75e minute, donc, où Audrey Slin, rageuse, contre un ballon au pied avant que Pierson n'aille marquer son triplé. Le Kitchiro Valley s'impose 24-19 et marque donc les esprits des autres équipes qui briguent aussi une qualification pour les playoffs.